En 1983, j'ai lancé cette maison d'édition Le Souffle d'Or avec très peu de moyens en fait, quelques économies et puis des soutiens d'amis et puis au départ, j'étais même imprimeur pour gagner quelques sous pour pouvoir faire imprimer mon premier livre. Ça fait 40 ans que je suis engagé dans une démarche de développement personnel, spirituel et écologique. Et, et en effet, c'est l'occasion, le moyen que j'ai trouvé de partager mes passions de, de, de vie, les choses extraordinaires que j'avais découvertes avec des auteurs vers un large public euh, pour euh, contribuer à, à faire évoluer la, la société dans laquelle on vit et qui ne me satisfait pas vraiment. À l'occasion des 35 ans du Souffle d'Or, l'idée nous est venue de créer un livre blanc du développement personnel qui est quand même le thème central des éditions Le Souffle d'Or. Donc, avec 16 de mes auteurs, on a rédigé chacun un chapitre pour dire ce qu'est et ce que n'est pas le développement personnel, de donner aussi un peu son historique, de donner ses perspectives et différents éclairages vraiment très divers. Pour poser comme un jalon de, dans, cette, dans cette aventure, euh, voilà, un livre blanc, c'est un livre de référence. Alors les 35 ans, ça, ça se fête. Donc, on va organiser des rencontres entre notre public et nos auteurs, une occasion exceptionnelle de, de découvrir le contenu, les méthodes, les démarches de nos auteurs dans la pratique. Euh, ce sera sous forme de week-end, euh, avec des ateliers, des tables rondes, et c'est vraiment des très belles occasions, non seulement de de découvrir dans la, dans la pratique les, les approches de nos auteurs, mais aussi de rencontrer des gens proches de, de, de nous, de nos valeurs, de créer des liens d'amitié. De, il se développe toujours une très très bonne ambiance dans ces week-ends. Ce qui me fait très plaisir, c'est les feedbacks des, des lectrices et des lecteurs qui me remercient et qui disent combien nos livres ont changé leur vie, euh, quelquefois plusieurs fois d'ailleurs. Ça me donne euh, l'énergie et la motivation de, de continuer et euh, le souffle d'or a, a une vocation d'éternité euh, pour euh, continuer à servir le, le public dans sa démarche personnelle d'autonomie, de, de connaissance de soi et, et d'accomplissement.